Salut les gamers! Bon bah comme certains m'ont demandé de faire une vidéo de Metal Gear commentée d'une partie, histoire de dire un peu ce que j'en pense et comment se passe exactement une partie en y jouant. Personnellement, je ne pensais pas faire ce genre de vidéo sur Metal Gear vu le nombre incroyable de vidéos déjà francophones sur ce jeu. Mais bon, peut-être bon, comme il y a la demande, hein, je vais la faire, pour faire plaisir, hein, bon. Ben voilà, donc là ici j'ai sélectionné une partie secondaire où je viens d'être largué. Donc comme ça j'évite un peu les spoils. Je vais essayer d'éviter les spoils. Parce que il faut savoir que des fois, juste en se promenant, on tombe sur l'histoire. Hein. Mais bon. Bon alors mon but c'est d'aller ici, de sauver un membre de mon équipe, et aussi, tant que j'y suis, si je peux, je suis pas obligé, de sauver enfin la personne qu'il était venu en fait enlever lui-même. Donc là, je ne joue pas Snake, je joue un autre bonhomme. On va l'appeler. Bon, on va l'appeler. Ouais, Boris. Donc voilà, Boris est parti en mission. Donc j'ai sé sélectionné un perso full infiltration. Alors, ah, tiens. Je vais profiter pour glaner mes récompenses tant que j'y suis. Ouh, j'ai un mort. C'est pas grave. Alors vite hop, j'en profite hein, parce que vu que ça prend du temps tout ça. Oh, je m'en fous. Je... Ah non, je peux pas. Ok. 6% de perte. Ouais, mais hop là, comme ça. Ok. Alors, où est un brave toutou toi? Ouais, bon chien, bon chien. Allez, on avance. D'habitude je prends le cheval, mais bon, si j'avais pris le chien, je me suis dit que ce serait plus cool pour la filtration. Bon, fait peur le chien. Alors là, il y a quelqu'un, il y a personne. Ah oui, des animaux, tiens. Hop, j'en profite pour poser des petites. Oups, ça c'est à l'heure ça. On prend le. Non, tu peux pas. Oui, si, tu peux. C'est ça que je voulais que tu utilises. Oui, parce que Snake a son petit zoo à lui, hein, alors du coup, il faut le remplir. Voilà, super. D'accord, le chien. Alors, dans le jeu, en majoritairement, ce que vous devez faire, c'est monter le plus haut possible, sortir les jumelles, marquer les ennemis. Alors, c'est ce qu'on va faire. Des corbeaux, je crois que j'en ai pas, tiens. Ouais, ça c'était un joli titir, hein. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir en fait d'ennemis ici. Le chien ne me dit rien. Aller ramasser ma petite proie. Alors, je vais passer le col. Oui. Bon. Bon, dans le doute de tomber sur des ennemis, je vais passer par le haut. Alors oui, bon. Donc le jeu se passe dans un monde ouvert. Alors c'est pas un monde ouvert genre GTA, hein. C'est plus un monde ouvert type militaire. Donc vous avez une carte ici, voilà, qui représente l'Afghanistan. C'est plutôt vaste, comme vous pouvez voir. Moi je viens de faire, j'étais plus ou moins là. Ah non, j'étais ici. Donc quand j'ai pris la vidéo, j'étais là ou là dans le coin. Donc vous voyez déjà hein, qu'en courant jusqu'ici, ça fait déjà une trotte. Là, on va aller jusque dans la base qui est immense. Et si je me trompe pas, il y a même des grottes. On joue aussi en Afrique. Enfin, j'ai pas quoi été en Afrique. Parce que moi, je prends mon temps. Voilà, je suis du genre à faire les quêtes secondaires, améliorer mon personnage. J'ai pas envie de finir le jeu trop vite. Ouh!
failli tomber celui-là. Ah, ouais, j'ai bien fait de monter par, par le haut. Ouh, un petit diamant. Allez, petit saut. Faut bien calculer parce qu'il saute pas très loin. Il saute encore moins haut que Snake en fait. Alors, yop, yop, whoop, un mirador. Et un véhicule quelque part. Ok. Si j'avais pris Snake, j'aurais plusieurs. Enfin, j'ai la capacité sonore, mais ici, j'ai pris le chien là, pour remplacer cette capacité. En général, il fait bien son boulot. Hein. Je l'ai pris pour une ou deux missions. Mais bon, je préfère prendre le cheval pour les trajets. Hein. Coucou. Ouais, je suis pas sympa. Bon. Alors, où tu es? Où est ta broche? Bon, on va d'abord réveiller le petit bonhomme pour l'interroger. Voilà. Et hop. Ok, ok. Voilà, on va le cogner contre le mirador. Paf. Et on l'enlève. Bon, on va passer par la grande porte. Hein. Ah ouais, voilà la base. Ouais, ouais, oh bah le chien fait tout le travail tout seul. Eh. Bon, bah, je suis déjà passé par ici, hein, donc je connais un peu les lieux. Ah, ils ont réparé les antennes. Oh, c'est pas cool ça. Analysis complete. Alors, voyons voir un peu où se trouve. Il y a plus de monde la dernière fois que je suis venu. Ça veut dire aussi que j'ai quasi buté tout le monde. Hein. Analysis complete. Analysis complete. Bon. Voyons voir si Boris s'en sort mieux que Venom Snake, analysis alias complete. Big Boss. Ah oui, non, c'est vrai, j'ai pas de silencieux sur mon sniper. Quelle horreur. Bon, faudrait que j'interroge quelqu'un pour savoir où sont les prisonniers. Arrête de faire waf waf, toi. Tu vas nous faire repérer. Il a pas du gain. Ah. Ouais. Et oui, il est l'heure de faire. Ouais, attends, il est balèze le type, il m'a vu de là-bas. Ça donne. Ouh, avec le petit couteau et tout, et. Wow! C'est le chien Kakachi en fait. Bon. Ouais, un petit coup de pied dans les couilles pour le réveiller. Hop! Pas de mirador. Je pense que je pourrais arriver à l'enlever.
Putain, il sert à rien celui-là. Bon. Alors, on va crafter un petit peu. Vérifier sous les tentes, t'as toujours des trucs à crafter, c'est super intéressant pour l'amélioration de la base. Ah, je crois que j'ai vu des caisses mauves. Alors, on s'infiltre. Analysis complete. Oui. Oh! Ah. Ouais, je suis obligé d'aller enlever celui-là. Allez, allez, allez. Ah, ça y est, je sais où sont les deux oeufs que je dois sauver. C'est pas lui, hein. Donc lui, à la limite, je peux le tuer. C'est Jack qui est là-bas. Hop, 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 tu me vois pas. Tu me vois pas, je suis caché. Oh, merde. Mais tais-toi, le chien. Lui que je dois enlever. Ah, il est classé A. C'est un très très bon perso, tiens. On va essayer de le tirer par là-bas. Il va voir là-bas. J'ai pas envie de me faire voir, alors ce que je vais faire. C'est ça. Diversion. Quand tu nous tiens. Par contre, celui-là, je sais pas d'où il sort là-bas. Bon, je dirais qu'il faut avoir une cinquantaine de mètres entre moi et les... Oups. Et les persos pour les enlever, sinon je risque de me faire capter. Je sais pas pourquoi, mais est-ce que c'est parce que j'ai augmenté dans les niveaux? Mais d'habitude, ils ne sont pas aussi vifs hein, pour nous remarquer. Je vais pas prendre de risques. Voilà. Alors j'ai 4 larrons là. Oh 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 oh. Non 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 non, tu me vois pas.
Storm approaching. Bah dis donc, on a fait lui des fléchettes à celui-là pour s'endormir. Super. Alors, quand c'est la tempête de sable, c'est un peu le truc le plus cool. Parce qu'en fait, les ennemis, ils voient plus rien du tout. Donc, on en profite à mort. Même s'ils font ça, c'est pas trop grave. Ah, c'était pour projeter la serrure. Oh, téléphone, je suis désolé. Allez, c'est reparti. Ouh, ils sont trois. J'espère finalement que le chien va pas y aller. Voilà. Limite, ce que je peux faire, c'est foutre un leurre ici. S'ils rentrent, j'active le leurre et je les abats. Ah bah. Pourquoi il vise pas par la fenêtre? Il est con ou quoi? Voilà, 2, 1, c'est parti. Allez, hein, côte à côte du mur. Bon, on va vite sauver le dernier, comme ça la mission elle est finie. Ah, je suis trop sympa. Bon, hop. Donc, tiens, tant que j'y suis,
petite grenade. Ça, ça. Oh, c'est le jeu bourrin. Ranger la voiture. Merde, le... Enemy presence detected. The map has been updated. This is Pequot. Arriving shortly at LZ. This is Pequot. Have arrived at LZ. We'll stand by. Support helicopter has arrived. Ouais, ça me rappelle le bon temps que je joue à Pokémon. Allez, je sais pas où il court lui. Il veut sûrement me prendre à revers. Ouais. Oh merde, j'ai jamais pu sauter sur quelqu'un. Hop, il pique son arme. Oh bah non, je l'ai assommé directement. Thank you.
très très lent. Hein. Vite attrapé. Oh putain. C'est mon hélicoptère, ça, non? Pourquoi il me tire dessus? Attends. Voilà, j'ai pas capté pourquoi l'autre il m'attaque. Qu'il est pas content parce qu'il a dû attendre à la base. Bon. Les autres, je pourrais pas les amener avec moi. J'aurais peut-être dû garder la voiture. Enfin, ça fait du sport, ça fait du bien du sport. Alors, voyons voir, voyons voir. C'est bon. Allez, le Klebs, on y va. On rentre à la maison. Eh ben, comme ça, vous avez vu une mission secondaire. Bon, ça s'est pas passé comme je voulais, évidemment. Hein. Ah, je voulais faire une belle vidéo d'infiltration, utiliser des gadgets et tout ça. J'aurais peut-être dû garder Snake. Mais bon, j'avais envie de prendre un autre perso. Voilà. Et bah sur ce, je vous dis à une prochaine. Amusez-vous bien et bon jeu à tous. Bye bye.